Donc voilà les canailles, il y a énormément de contenu encore ce soir, il y a un renfort campagne mix 87, gagne un pack contenant un élément, joueur RTTK, esprit pionnier, centurion ou triple menace, avec une gêne de 87 ou plus, sauf héros et icônes. Il est cumulable un jour pour une équipe à 83 et 84. Voilà, 83 et 84, je vais le faire les gars, ça c'est un pack exceptionnel. Ils ont fait un yé, oubliez pas de faire votre renfort connexion quotidien. Ils ont fait d'argent, yé sport, les gars. C'est... Les gars, faut les comprendre. Ils ont fait d'argent, faut bien qu'ils mangent aussi, les pauvres. Soit héros de base, les gars, cumulable 3 fois et pour un 84 et un 85 en note. Vous avez Michael Ballack, les gars. Michael Ballack, il faudra 6 équipes pour faire Michael Ballack, les canailles. Donc, ils demandent. Ils demandent une équipe exactement bronze, une équipe argent. Il demande... Oh les gars, j'allais payer mon cul de ce jeu de merde. Non, il y a trop de trucs, les gars. J'en peux plus, les canailles. En prêt, tu récupères Michael Ballack quand tu mets une équipe totalement hors. Tu as après, il demande une équipe à 86, une autre équipe à 88 et une autre équipe à 87 pour faire Michael Ballack. Il coûte pas très cher. Il a le double 4. Il a le rendement élevé, élevé. Chose qu'il n'avait pas sur notre carte, si je ne me trompe pas, qui avait le rendement élevé en attaque et moyen en défense. Si je ne me trompe pas, bien entendu. Il a en playstyle quand même le tir puissant. Il a la tête puissante. Il a l'interception. Et il a les petites ailes, là, duel aérien. Donc, tous les éléments de joueurs fulgurance pourront prétendre aux améliorations à partir du 24 novembre. Gagner un des 4 prochains matchs de championnat du Bayer Leverkusen. Il est lié au Bayer Leverkusen, en fait, les gars. Au Bayer Leverkusen, pardon. Donc, il aura un plus 1 en style de jeu régulier, un playstyle en plus. Et s'il gagne tout comme Dagdish, s'il gagne 3 des 4 de ses prochains matchs, il aura un plus 1 en plus. Voilà. Donc, après, il faut qu'il gagne. La différence avec sa régulière est quand même notable. Parce que j'ai remarqué quelque chose que je vais vous montrer, les canailles. Si le jeu me... Parce que le jeu, il bug, là. Les gars, je sais pas si vous voulez. Le jeu, il bug un petit peu, les canailles. Mais après, c'est le professionnalisme de chez eSport qu'on connaît si bien, mes coquines. Donc, il faut pas leur en vouloir haïr. Il faut pas les insulter. Donc, voilà. Il me semble qu'il a 2 de plus en accélération vitesse. Voilà. Et ça, faut le souligner pour un milieu de terrain. Par contre, en tir, il a que un plus 1 par rapport au 87. En termes de passe, c'est pareil, c'est que du plus 1. En termes d'agilité, dribble, équilibre, tout ça, c'est plus 1. Et en termes de défense, quand même, il prend un plus 2. Et en termes de physique, il prend un plus 1. Donc, il aura quand même un playstyle en plus. Bayer Leverkusen, d'après les abonnés, c'est très chaud. Après, est-ce qu'il gagnera 3 matchs sur 4? Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Après, c'est sûr que des alternatives, je sais pas combien il coûte là, Michael Ballack, mais je pense qu'il doit pas coûter très cher. Je pense qu'il y a peut-être Mangala aussi, on ira voir. Mangala Flashback qui a dû sortir. Voilà, il demande une 88, une 87 et une 86. Je pense qu'il doit coûter à peu près 400 000 crédits. 400 000 crédits. Pour le prix de 400 000 crédits, tu peux avoir un Valverde, tu peux avoir un... Donc voilà, il y en a beaucoup qui n'aiment pas trop Michael Ballack parce qu'ils le trouvent robotique. Après, si tu penses que le Bayer Leverkusen peut gagner, ça peut être une carte quand même très intéressante s'il prend encore un plus 1 et qu'il lui donne 2 up en vitesse parce qu'il peut prendre un plus 1 en termes de notes et recevoir quand même 2 up en vitesse. Il pourrait encore monter à 82 d'accel pour 87 de vitesse. Donc personnellement, si t'aimes le joueur, bon 3, 400 000 crédits... Quand tu compares sa carte avec Frenkie de Jong, en sachant que Frenkie de Jong n'a pas gagné le premier match et qu'il faut qu'il gagne les 3 prochains pour qu'il prenne des ups et des playstyles, même s'il peut plus évoluer Frenkie de Jong, il a quand même des qualités comme la finition, la puissance de frappe, le tir de loin que Frenkie de Jong a moins dans certains secteurs du jeu. Donc je trouve que quand même c'est raisonnable. 500 000 il coûte, je pense qu'il va baisser un peu ou le prix du marché a augmenté. Je trouve que voilà, si vous arrivez à le faire descendre à 300 000 crédits, ça peut être raisonnable. Après, bien sûr qu'il y a, il y a beaucoup d'alternatives, bien entendu. Mais voilà. Ça dépend de votre milieu de terrain. Personnellement, si t'as déjà Bellingham, il fait encore le taf. T'as Lorente, etc. Mais ce que je trouve, c'est que il a le rendement élevé, élevé. C'est un pur box-to-box. Il a du tir et tout. Je trouve que la carte, vraiment, pour le prix, surtout qu'il donne des liens, je trouve que c'est correct, pour ma part. Surtout s'il évolue.
surtout s'il évolue. Après, c'est un pari risqué s'il évolue ou pas, tu vois. Élevé en défense, Mangala, les gars, 86, il demande quoi? 86 de notes. Il demande une équipe à 82 pour Eliakim Mangala. Et il demande... Il a quoi? Accélération 84, vitesse 86. C'est pas mal. En playstyle, il a pas de playstyle plus. Tacle glissé agressif. Après, il coûte pas cher. Il a l'agilité, l'équilibre, la réactivité, le calme. Les gars, ça va. C'est une carte. C'est un Militao. C'est un Varane régular. Un petit peu plus cheaté, tu vois. Mais c'est. Voilà, c'est. C'est sympa, les gars. Et elle est donnée, la carte. Il demande une équipe à 82. Au pire, tu le testes. S'il te plaît pas, mais tu le jettes dans un SBC. Et la carte, elle est correcte. Vraiment, il est correct, les gars. Bon, il a 84 de calme, 84 en réactivité. Il a tout en... Voilà, quoi. Ça passe, quoi. Tu vois. Après, voilà, il n'a pas beaucoup de lucidité défensive. Il n'a pas beaucoup de tacle debout. C'est plus une carte... Il n'a pas beaucoup d'interceptions. C'est plus une carte que tu fais pour la garder comme ça, de collection, pour les défis. Après, en défense, il y a largement mieux, quoi. Mais il ne coûte pas cher. Donc, faites-le. Et au pire des cas, vous le foutez dans un SBC. Et je crois qu'ils ont mis des évolutions. Évolution héros, c'est ce que vous me dites. Évolution, héros, les canailles. Mais j'en ai pas, moi, des héros. Mais les héros, les gars, ils évoluent, les gars. Les héros évoluent et ça coûte 75 000 crédits, je crois, pour faire évoluer un héros, c'est ça. Donc, il faut les critères pour faire évoluer le héros. Il faut un général de 86, une vitesse max de 87, une défense max de 88 pour pouvoir la faire évoluer. Donc il peut avoir Keane, Robbie Keane. Il y a certains joueurs qui peuvent être... Oui, je sais, le paquet rouge, je vais venir, les gars. Donc voilà, vous pouvez l'améliorer, voilà, pour 75 000 crédits ou 500 points FIFA. Si vous avez les cartes, là, il monte Cap des Villas. Il y a d'autres cartes aussi. Toutes les cartes qui rentrent dans le critère de la vitesse, de la défense et de la rareté, quoi. De la rareté, tout simplement, les canailles. Donc voilà, on va voir si en objectif, il y a quelque chose. Après, je vais faire mes packs. Je sais pas s'il y a autre chose, les gars. Black Friday, préparez-vous. Remportez 4 matchs amicaux, Ultimate Team, Live Coupe, Black Friday fulgurant. Je sais pas si ça y était, ça. Bon, après, il y a toujours des défis. Parce que moi, je les fais pas. Donc, non, je crois que ça vient d'être. Donc, ouais. Il faut remporter des matchs Coupe fulgurant. Et tu récupères des packs et des XP. Donc, tu as des petits packs, des packs 2 éléments, 82 plus, des trucs comme ça. En palier, je sais pas s'ils ont mis de nouveaux trucs. Fekir, Frimpong, Umtiti, ouais, nouvelle équipe. Ouais, donc nouvelle équipe, il y a Fekir, Frimpong, Umtiti et Kemp, les canailles. Donc voilà, les gars, c'est tout, les gars. Là, je vais faire le pack héros. Donc voilà, vous avez mon avis sur Balak et Mangala. Je mettrai la vidéo plus tard sur YouTube.